C'est toujours un plaisir de jouer ici. Il y a une telle histoire que je crois qu'il faut être digne de tous ces musiciens immenses, je crois, qui sont passés ici. Donc on a tout de suite une pensée pour eux déjà. Voilà. On espère que ça se passera bien sûr. Et la musique sera au niveau de ce qu'ils attendent, je dirais. Les thèmes sont assez longs et sont difficilement sécables, c'est-à-dire un petit extrait ne veut strictement rien dire. Je crois qu'il faut que les personnes aient aussi un peu le courage, on pourrait dire, ou la patience de se plonger à l'intérieur de cette chose. Et au bout d'un moment, on l'écouterait presque comme une chanson. Nous avons mis en place sur Jazz à Joint un système de gobelets réutilisables consignés, ce qui permet d'éliminer les gobelets jetables, donc moins de déchets. Et grâce à l'adhésion des équipes et du soutien d'Univalum, en 2018, nous avons pu récolter 5 tonnes de verre, 600 kg de carton et presque 1500 kg de déchets recyclables. Donc ces chiffres font que nous sommes parmi les festivals sur la côte qui trient le mieux. Donc cette année, nous voudrions faire encore mieux et votre participation est aussi importante. Donc sachez que derrière les tribunes, vous avez le stand des ambassadeurs du tri qui peuvent non seulement vous offrir les guides du Memo Tri, mais aussi des cendriers portatifs, donc version standard et version plage pour mettre dans le sable. I mean, I think it's important for us to do both, you know, because playing live is who we are. It's the thing that we're most comfortable with and the thing that we've done for the longest. But I think it's important as a band to challenge yourself and put yourself in new situations as much as possible, you know, so that you're exercising kind of all the parts of your brain and your musical potential. And going into the studio exercises a totally different muscle. It's like, what can I do with more time? What can I do sonically here, you know, with overdubs, with creating a soundscape rather than capturing a live moment? So it's been a learning experience for us doing both.
Yeah, hey, this is Michael League from Snarky Puppy, and we are really excited to be back here at Jazz à Jouan for the first time in 4 years. And we hope you enjoy the show and all the new music.